Bonsoir, la nouvelle est tombée ce jeudi. Elle émane de l'action concertée de 3 départements ministériels, les transports, la sécurité et le commerce. Désormais, les nouvelles motos seront immatriculées à l'achat. Beaucoup d'usagers circulent sans plaque. La mesure vise à renforcer la sécurité sur les routes. Esther Laclé. Les motos seront désormais vendues avec immatriculation et le coût sera donc inclus dans le prix de vente. L'information a été portée à la connaissance des concessionnaires de motos et des syndicats des transporteurs du Togo par les ministres des Transports, du Commerce, de la Sécurité et de la Protection civile. Occasion pour le syndicat des transporteurs de faire des doléances. Cette décision, elle est la bienvenue. Madame la ministre et monsieur le ministre nous ont fait part de cette proposition. Nous l'avons bien reçue et surtout... Ça va dans le sens de la sécurité des biens et des personnes. Je pense que nous avons adhéré à cette décision et nous leur avons promis notre franche collaboration. Nous allons nous retrouver périodiquement et après nous allons demander au gouvernement de nous assister en nous accordant aussi la chance de faire des tournées de sensibilisation pour parler à nos collègues qui sont à l'intérieur. Selon le ministère de la Sécurité, entre 2009 et 2013, 3010 personnes sont mortes dans 26 309 accidents qui ont occasionné 37 117 blessés. Le premier trimestre de cette année a enregistré 1451 cas d'accidents, 153 blessés et 162 décès sur les routes togolaises. Ceci malgré le fait que l'année 2014 est placée par le président de la République, Fornia Singbe, sous le signe de la sécurité routière, après l'obligation du port de casque et des ceintures de sécurité, de l'interdiction des téléphones au volant, l'immatriculation constitue une phase importante pour atteindre les objectifs sécuritaires fixés. Suite aux manifestations de rue que nous avons connues ces derniers moments, d'abord particulièrement à Dapan et à Skodé, sur la question liée à l'immatriculation des motos, et des manifestations qui ont conduit certains individus à séquestrer, à violenter les agents de sécurité, le gouvernement vient de prendre une mesure en accord avec les concessionnaires de motos. Toute moto sera vendue immatriculée par le concessionnaire lui-même, comme exactement dans le cas des ventes de voitures. Lorsque quelqu'un vous vole la moto, quand vous allez à la police pour déclarer la perte, on va vous demander est-ce que votre moto est immatriculée. Oui. Quel est le numéro d'immatriculation que vous donnez? Et nous, on commence les recherches. Et ça permet de retrouver la moto. Il y a des gens qui utilisent aussi des motos sans pas pour commettre des bêtises, des forfaits. Vous avez un témoin qui a vu la scène, vous demandez quel est le numéro de la moto, la moto n'était pas immatriculée. Ça complique les recherches. Le défi du chef de l'État en décrétant cette année, année de la sécurité routière, est sans doute qu'une chute considérable soit remarquée au niveau des cas d'accidents, de blessés et surtout de décès. À cet effet, le nouveau code avait déjà été adopté par l'Assemblée nationale togolaise le 4 juin 2013. À tout un chacun, passagers, conducteurs, forces de sécurité, de s'engager pour relever le défi de la sécurité sur nos routes. On tend progressivement vers le délai fixé pour l'atteinte des objectifs pour du millénaire pour le développement. Tout ne sera pas accompli. Le secrétaire général de l'ONU a alors souhaité que des aspects complémentaires soient pris en compte après cette échéance. Et donc pour la mise en branle de l'agenda de développement post-2015, des consultations nationales ont été opérées sur le thème « Renforcement des capacités et construction des institutions efficaces ». Les résultats ont été restitués aux différents acteurs concernés. Edem Soussoukou. Sollicité par les Nations Unies, le Togo apporte sa contribution aux discussions sur la mise en œuvre des objectifs de l'agenda de développement post-2015. Le Togo, avec 7 autres pays, ont effectué des consultations nationales sur le thème « Renforcement des capacités et construction des institutions efficaces ». C'est le résultat de 3 mois de consultations menées auprès de près de 200 Togolais qui est restitué ici. 4 domaines spécifiques ont été pris en compte. Sur le terrain. On a identifié 4 domaines qui sont le VIH et l'éducation, la santé maternelle et infantile et l'emploi. Ces 4 domaines représentent 2 domaines qui ont bien marché, VIH et éducation, et 2 domaines qui ont moins bien marché, santé maternelle et infantile et emploi.
pour qu'on, à travers l'analyse de comment ça s'est passé, qu'on arrive à dégager les leçons bonnes et moins bonnes en termes de comment il faut renforcer les capacités pour bâtir des institutions efficaces. Nous nous sommes rendus compte, ici, au niveau de notre pays, que mieux nous aurons des capacités, hein, que ce soit techniques, humaines et autres, plus nous serons avancés dans la réalisation des objectifs. Mieux nous aurons construit des capacités institutionnelles solides, mieux nous pourrons toujours avancer dans la réalisation de ces objectifs. Ces consultations nationales seront versées dans le rapport mondial qui va s'appesantir sur les leçons tirées dans la mise en œuvre des OMD en lien avec les capacités institutionnelles et les actions à entreprendre pour donner plus de chances à la réalisation des objectifs de développement post-2015. L'agenda de développement post-2015 aura le mérite de couvrir 17 objectifs. Si les ressources financières et notamment l'aide publique au développement sont certes indispensables, elles ne suffisent pas pour autant à promouvoir un développement humain durable. Sans loi, politique, stratégie et procédure pour les appuyer, sans des organisations opérationnelles et efficaces, sans personnel qualifié et compétent, les pays ne disposent pas des fondations nécessaires pour planifier, mettre en œuvre et évaluer leurs stratégies locales et nationales de développement. Ici, membres du gouvernement, acteurs du secteur public et privé, membres des organisations de la société civile, ainsi que les partenaires techniques et financiers, ont versé leur contribution dans un débat nourri sur les améliorations apportées aux consultations. Le ministre Bawara, représentant le gouvernement, trouve que cette consultation offre une nouvelle opportunité au Togo d'apporter une contribution de qualité à la définition des objectifs de développement post-2015, puisqu'en 2013, le pays avait conduit une vaste consultation nationale sur l'agenda de développement post-2015 qui a permis aux populations de confirmer globalement la pertinence des OMD tout en relevant les faibles progrès réalisés. Le développement, c'est aussi la modernisation de l'État à travers des réformes judicieuses et innovantes. Le remodelage des services publics rentre dans ce moule de modernisation de l'appareil administratif. Et à ce titre, des cartes biométriques professionnelles sont instituées pour permettre d'identifier les agents de l'État et par là procéder même au contrôle des effectifs. Ceci permet également d'obtenir une base de données fiable concernant la masse salariale de ces effectifs de la fonction publique. Esther Laclé, explication. Voici les cartes professionnelles biométriques des agents de la fonction publique togolaise. Un revirement dans la gestion administrative des personnels employés par l'État togolais. Chaque fonctionnaire disposera de sa carte professionnelle biométrique et cette carte permettra d'avoir une idée exacte sur le nombre de salariés de l'État et de lutter contre les agents fictifs. C'est une carte qui se fait physiquement. On ne peut pas envoyer quelqu'un pour venir faire la carte pour vous et nous allons même donner certaines instructions au niveau bancaire pour que cette carte soit exigée pour les prêts et pour les salaires. Et je pense que à la fin de cette opération, le gouvernement peut se féliciter de maîtriser les effectifs des agents de l'État. L'élaboration des cartes professionnelles biométriques fait partie du programme de modernisation de l'administration publique. Il s'agit pour l'État togolais d'éviter que tout agent de la fonction publique n'enfreigne la circulation normale des dossiers et ne fasse entorse à l'exécution du budget. À cet effet, le gouvernement togolais a fait du contrôle des effectifs et de la masse salariale une priorité, une manière de lutter contre le sabotage économique. Si on ne maîtrise pas les effectifs, on paie plus que l'on devait payer. Ça veut dire qu'il y a un manque à gagner à l'État. Et c'est la fonction publique qui donne le listing des agents à payer au ministère de l'Économie et des Finances qui procède au paiement des salaires. Et si les effectifs des agents de l'État ne sont pas corrects, ça veut dire qu'on va trop payer et ça va jouer énormément sur l'économie.
La cellule de contrôle des effectifs et de la masse salariale lutte depuis 2010 contre la lenteur et les fraudes administratives. Ainsi, le non-respect des procédures administratives dues à des déviances et la recherche des intérêts personnels sont des actes punissables. La carte biométrique professionnelle constitue la nouvelle génération de papiers d'identité et facilite dans les procédures administratives la lutte contre l'usurpation d'identité et la falsification documentaire. À terme, la masse salariale devrait occuper 35% du budget de l'État togolais. L'Agence régionale d'appui à l'émission et à la gestion des titres publics des États membres de l'UMOA a eu une rencontre ce matin avec les investisseurs et les différentes institutions financières de la place. Nous y reviendrons dans quelques instants. L'UMOA est surtout très engagée dans la réalisation des projets de développement dans les 8 pays membres, ce qui vient en appui au programme déjà entrepris à titre individuel dans chaque pays. Au Togo, la construction des logements sociaux fait partie de l'agenda du gouvernement, ce qui motive les entreprises spécialisées en bâtiment à se bousculer pour proposer une expertise en la matière. C'est le cas de cette société ivoirienne qui propose des techniques assez modernes en matière de construction. Nous découvrons cette société à travers la plume de Firmin Adinaré. La croissance démographique demeure aujourd'hui un phénomène non négligeable dans la réponse à l'épineux problème d'habitat. Pour cela, le gouvernement togolais a intégré cette question de logement social dans son programme pour enfin pallier cette carence. Et ce programme fait déjà l'objet de séductions et de convoitises auprès des spécialistes de bâtiments. C'est le cas de la société ivoirienne d'étanchéité des travaux annexes et spéciaux qui est venue présenter à la presse ses connaissances nouvelles et techniques basées sur l'architecture du type moderne des briques préfabriquées. Un système qui permet de construire des maisons en temps réel, modernes et à moindre coût. Nous pensons pouvoir intégrer ce type de projet d'une façon très simple en y apportant une technologie nouvelle qui est la brique de terre sol, ciment. C'est une brique écologique, une brique économique et surtout une technologie de mise en œuvre très rapide. Les avantages de cette nouvelle technologie, mise en œuvre facile, résultat intéressant, à savoir qu'on a toujours la même réponse à la problématique, la température, le bruit, donc des briques phoniquement intéressantes. L'évolution démographique aujourd'hui doit répondre aux besoins en matière de logement pour permettre à tout individu de vivre décemment. Ceci pour un meilleur développement du pays.